Le déplacement côte à côte est un grand classique au mono. Il est d'autant plus aisé que les élèves sont à distance, bras tendus horizontaux. Ils peuvent compenser le déséquilibre éventuel de l'un d'entre eux par un contact solide sur l'avant-bras, le coude, l'épaule, et non pas par une main qui balance.